Bonjour à tous, donc merci de venir danser avec moi. Donc aujourd'hui, petit tuto street jazz sur la musique Fever de Dua Lipa et Angèle. Donc voilà, c'est parti, la choré ça va être ça. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Sur la partie d'Angèle, le premier couplet et ensuite le refrain de Dua Lipa. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir. Donc en gros, sur la musique, pour vous donner un repère, c'est environ à 40 secondes. Donc en gros, on est en bas, tête en bas, et en fait, on va préparer 5, 6 et à 7, 8, il va y avoir la tête qui va lever. Donc en fait, ça fait 5, 6, 7, 8, et là, il y a Angèle qui commence à chanter, qui dit... comme avec du temps, je crois, je sais plus. Enfin, voilà. Donc ça fait 1 et 2, tu ouvres. Boum. Donc je redis. Donc tu as fait tête, ça fait attrape le bras gauche, attrape le bras droit, ouvre. Donc là, tu te caches la tête pour faire ouvre. Et là, sur la musique, ça va faire cac, 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 les bras, les mains. Boum, boum, boum. Pour faire ferme. 3. 4, tu ouvres avec la tête qui sort, repose 5 et tu rouvres. Je crois que l'écoute c'est plutôt 4, 5, 6, 7. Okay. Donc en fait on le fait deux fois, ça fait plonge, ouvre. 7 et à 8 on va faire boum. Parce que vous allez voir, c'est comme une sorte de petite goutte d'eau sur la musique. Et donc c'est notre repère musical pour tir. 8, ensuite ça fait 1, 2, 3. Donc en fait, vous êtes légèrement de profil, enfin en diagonale de profil, et il va y avoir trois épaules. Elle dit et pourtant. Et donc on marque ces lyrics-là. Donc en gros, c'est nos épaules qui vont pousser. D'accord? Et en fait, on pousse dans cette direction-là. Donc ça fait 1 et 2 pour faire. Tu poses derrière, donc hop, t'es là. Tu poses ta jambe droite derrière, et avec tes bras, tu vas faire. Cache. D'accord? Ça fait boum boum. Et ensuite, tu passes pour revenir ici. Donc, je redis du et pourtant. Ça fait et pourtant. Clac, clac. Donc, vous avez vu mon pied derrière pour faire passe. Passe. Et là, il dit comme un médicament. Donc, comme un médicament, en gros, on va poser sa jambe droite, du coup. Diago. Et là, en fait, vous allez faire 1 et 2. Comme si, en fait, on prenait des médicaments. D'accord? C'est un peu, enfin, petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc, nos doigts sont comme ça et 1, 1, 1. Comme si tu mangeais des médicaments, entre guillemets. Donc, comme un médicament. Et là, en fait, on va faire boum, boum, boum. Tu descends. Clac, clac, clac. Donc, ça fait 1 et 2, 3 et 4. Pour faire, pivote, tu pousses, rond de jambes. Et là, en fait, tu vas poser ta main sur ta bouche et ta-la-la-la-la, tu repousses. Donc, ta main est en opposition avec ta tête et ton buste. Et vous avez vu, mes doigts, ils font guili-guili-guili. Ok? On va recommencer tout ça du début, doucement. Donc, ça fait 5, 6, tête, 7, 8, 1, et 2, et 4, et 4, 5, 6, 7, et 8, et 1, et clac, et pourtant. Pose derrière, boum boum, passe, repose pour faire comme un médicament, boum boum boum, rond de jambes, pousse, et là on va revenir en fait d'ici, tu vas reposer gauche pour revenir sur tes deux appuis. Et là, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais c'est un peu le même tempo que et pourtant. Donc là on va faire côté. Donc, il y a la tête qui part et vous êtes assis sur votre jambe gauche et votre pied est en demi-pointe. D'accord? Côté, reviens, droit, chute avec le chute qui est sur la bouche. J'aurais dit, ça fait côté, chute. Pour faire, tire avec les doigts, comme si tu zippais ta bouche là, tire.
Et là, on va faire deux ronds du bassin pour faire. Et on en fait deux. D'accord? Donc le bassin, il va de la gauche vers la droite et gauche vers la droite. Donc là, on a fini la partie d'Angèle. Et là, c'est la partie de Dua Lipa. Donc Dua Lipa, là, elle dit. I got a feeling. Non, I got a fever. C'est le titre de la musique. Pas feeling. I got a fever. Ok? Donc en gros, ça fait. Pause. I got. Enfin bref, voilà, vous captez quoi avec une super accent anglais. Et là en fait, on va tourner sur sa jambe gauche avec sa jambe droite en fait qui va couper devant. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous allez poser votre jambe ici pour tourner. Attendez, sur le toit ralenti. Hop, comme ça. Donc en gros, quand tu es là, ça fait I got et tour. Pause. Ok? Donc, quand vous tournez, comme je vous réexplique un petit peu, hop, t'es là, clac, clac, tu prends appui sur ta gauche et tu vas direct poser ta jambe ici. Bon, là, je suis en basket, vous voyez pas, mais ma jambe droite, elle est pointée. D'accord? Là, notre pied, il est pointé, on n'est pas flex, c'est vraiment pointé ici. Clac. Et quand tu tournes, t'es en demi-point pour pouvoir tourner. D'accord? Donc, t'as fait clac, clac, tourne. Quand t'arrives ici, tu vas poser ta jambe droite, diago, droite, et la main, en fait, va glisser le long de ta joue. Pause. Can you? Et là, elle dit check. Et donc, en gros, tu fais boum. Tu touches ton front, d'accord? Un peu genre, elle dit j'ai de la fièvre parce que tu peux te checker. Donc, hop. C'est un peu genre check ma fièvre. Crac. Can you check? Et là, sur la musique, ça fait boum, boum, boum. Et donc, on va marquer avec notre main, ça va faire boum, boum, boum. Ok, je redis. I got the fever, ça fait clac clac, tourne, pause, vague, enfin vague, laisse couler pour faire check et là côté, côté, côté. Alors j'ai pas précisé ça, mais ça fait gauche, droite, gauche. Et mes mains elles font pouce, casse-coude, pouce, casse-coude, casse-poignet, pardon. Donc pouce, poignet, pouce. Ici, les mains vous faire ouvre. Pause derrière. Donc, vous avez vu, ma jambe droite est derrière pour faire tire. Donc si je me mets profil, ça fait tire. Donc je redis, quand tu es ici, là ta main droite va passer vers le bas, ta main gauche passe vers le haut. Hop, tu fais un rond pour poser. Et là d'ici, tu vas tirer et tu poses ton poids du corps sur la gauche. Devant. Hop, tu en appuies sur ta gauche. Boum. Et là elle dit, kiss my neck. Donc ça fait boum, cac-cac, d'accord, tu poses tes mains au niveau du cou pour faire glaise glissée et là sur la musique ça va faire boum, boum, boum. Donc là ça fait boum, boum, boum. J'aurais dit donc t'es là, clac, ça fait en bas, reviens et boum. Encore, donc en gros ça fait tire, ça fait kiss my neck, cac-cac-cac. Et donc vous avez vu en même temps ça fait donc. Là, donc t'es en cambré pour faire descendre tes pliés, reviens tes cambrés et reviens tes pliés. D'accord? Donc le dos, si je me mets là, ça fait tire en bas, en haut et boum. D'accord? Vous avez vu mon dos, il fait ça. Hop, boum, t'es arrivé là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu fais ouvre. Donc en fait, il faut ouvrir ton pied droit pour ensuite faire pouce. Pousse. D'accord? Donc d'ici, tu vas faire ouvre. Ouais, moi j'ouvre en fait avec un petit rond de jambe. Ouvre. Et là, en fait, ça fait marche, marche. Pour faire vague, tu ouvres avec les bras. Donc là, il y a un. Ça ouvre. Ouvre avec la jambe gauche. Pour faire jette. Passe sur la tête. Tête. Parce qu'en fait, là, elle dit I got a fever. Donc pareil, en fait, comme si tu mesurais. Sur tes doigts, c'est un thermomètre qui mesure la fièvre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, petit moyen mnémotechnique. Donc, pouce, I got fever, tête, tête, tête. Et en fait, là, c'est un peu libre, c'est-à-dire que tu vas avancer, hop, tu reprends. Là, en fait, c'est freestyle. Donc, en gros, quand t'es ici, tête, tête, tu avances, et là, freestyle, freestyle, jusqu'à la partie d'Angèle. Et après, si tu veux continuer de danser, tu danses. Ok. On va tout refaire du tout début, d'accord? Ça fait un peu beaucoup, je sais que je vais un petit peu vite. Mais voilà, on va revoir du tout début, doucement. Donc,
5, 6, ça fait tête, 7, 8. 1 et 2 et boum boum boum. 4 et 5 et 6 et 7 et... Tac, pour faire. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Clac, clac et passe. Reviens. Ensuite, comme un médicament, descend, descend. Rond de jambe, étire, reviens. Et cacac, et cacac, et cacac, et tire, et boum. Et boum. Dolly pas. I got a feeling. Pause. Can you check? Boum, boum, boum. Clac, 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 clac. Kiss my neck. Boum, boum, boum. Ouvre pour faire pouce, pouce, pouce. Tire. I got a feeling. Tête, tête, tête. Et marche, marche, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Sans musique, doucement. 7, 8, ça fait. 5, 6, tête, 7, 8, 1 et 2 et 4, 4, 4, 4 et ouvrez, 4 et ouvrez, tirez, boum, boum, boum. Tata passe, reviens, comme un médicament, descend, descend. On le jambe tire, reviens, écoutez, écoutez, et chute, et tire, et boum, I got a tour, pause, can you check, boum, ah j'ai pas précisé ça qu'il y avait un petit rebond, rebond, pardon, donc vous rajoutez le petit rebond, donc, si vous l'avez, si vous le rajoutez pas c'est pas très grave. Mais en fait, il y a un petit rebond là, ça fait pause, laisse couler toujours. Mais là, en fait, comme elle a dit can you check, ça fait can you check. Désolée, j'ai oublié de préciser ça. Donc voilà, si vous voulez le rajouter, vous le rajoutez. Donc, glisse, can you check, boum, 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 rond, tire, kiss my neck, cac, cac, cac. Ouvre pour faire pouce, pouce, ouvre, jette. Passe tête, 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 et tu marches, et tu marches, et là, 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 là. Ok, voilà. Ok, on va le faire deux fois. Une première fois, essayer de le marquer, de l'écouter sur la musique, comment ça tombe. Et ensuite, la deuxième fois, on le fait avant. Puis après, vous pourrez le répéter. Tête en bas. 5, 6. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. En fait, quand on commence, en fait, ta tête est à 7, ça fait 5, 6, 7, et 8, en fait, c'est là. Et 8, 1, boum, 2, 3, et descend 4. Je redis, donc en fait, t'es là, ça fait 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, ça c'est bon, partie du 4. D'accord, donc, mais juste 7. Et en fait, Angèle, elle se met chanter à E8. Donc, c'est là où c'est notre repère musical pour partir. Ok, désolé. Donc, on le refait une fois du tout début. Et après, bah, vous pourrez vous entraîner plusieurs fois avec la vidéo. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Merci beaucoup de les regarder et de les faire. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos si vous le faites sur mon Insta, parce que moi ça me fait toujours très plaisir de vous voir.
Et voilà, si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt pour le prochain.